y a toujours des rencontres et des séparations. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une rencontre sans séparation? Tu loupes ton avion. Donc, quand tu dis c'est des rencontres et des séparations, là tu parles des corps ou bien des esprits? Les deux. Hein? Les deux. La rencontre des corps est une chance pour le frère. Et c'est un privilège, c'est une facilité pour accéder à chair, à la réalité du chair. Normalement, d'après la promesse de Sidna Cheikh Rajab, il n'y a pas de séparation. Ce qui chagrine, comme tu dis, c'est ce sentiment d'éloignement qu'on ressent après la séparation. Mais ce n'est qu'une appréciation personnelle. C'est-à-dire, on sent qu'on est loin, mais dans la réalité, on ne sait rien du tout. Donc, on va dire qu'on ne va pas faire confiance à nos sensations personnelles, nos appréciations personnelles. Et on fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il n'y a pas de séparation. Que même si les corps sont éloignés, la rencontre est là et le lien est là et le rapprochement est là. D'ailleurs, tu viens de lire dans la prière un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il parle des gens, des hommes qui n'ont pas pu suivre Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils ont eu des empêchements. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était dans un déplacement avec les hommes. Et il y a des hommes qui ont été empêchés. Et Allah, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que chaque pas que les hommes faisaient, ils étaient avec eux. Tout ce qu'ils faisaient, ceux qui sont restés sont avec eux. Donc le monde de l'esprit, c'est une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit voilé du monde de l'esprit. Quand on est faible, il vaut mieux être voilé du vrai monde. Mais dans le monde des esprits, c'est une autre dimension. Ce que tu viens de dire, tout est dans le monde matériel, le monde des corps. Mais dans le monde des esprits, c'est autre chose. L'esprit de Cheikh, quand Cheikh est un Cheikh, l'esprit de Cheikh, il est partout. L'esprit de Cheikh, il est libre. On dit, scientifiquement, on dit que l'esprit, quand il est libéré du corps, il fait 360, c'est ça? Fois le tour de la Terre en une seconde. Donc c'est comme les ondes de la radio. Là où tu es, tu allumes la radio,
Tu es la station que tu cherches, là où tu es, à aucun moment. Tu peux pas être quelque part, tu allumes, tu n'as pas de table. Il suffit de mettre l'aiguille au bon endroit et tu as ta radio partout où tu es. Donc, il n'y a pas de séparation des esprits. Jamais. Bi-idhnillah. Lakin, une seule condition. Dhikrullah. Dhikr, c'est le moyen qui permet aux esprits d'être liés et d'être attachés. Tant qu'il y a le dhikr, ce lien existe. Quand le frère s'éloigne du dhikr, donc il doit se sentir en danger. Il doit se sentir en danger, mais même s'il est en présence physique de Cheikh, même si tu es avec Cheikh physiquement et qu'il n'y a pas de dhikr, tu peux être éloigné en la présence de Cheikh. Et toi, tu crois que tu t'es rapproché de Cheikh. Alors que tu... Et les personnes qui connaissent Cheikh sont souvent des gens qui rencontrent Cheikh très, 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 très rarement et peut-être jamais. Il y a des gens qui connaissent Cheikh dans sa réalité et très rapprochés de Cheikh et qui n'ont jamais rencontré Cheikh. Jamais, physiquement. Donc, tous ces sentiments, ces appréciations, c'est des choses très, très terre à terre. La réalité, c'est autre chose. On compte sur la générosité de Ahlillah. Même si on est défaillant, on sera toujours défaillant. Eux, ils ne sont pas défaillants. Si on n'est pas à la hauteur, eux, ils sont à la hauteur. Le Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, partout là où il est toujours avec sa communauté. Là où il est, même quand il était auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le soir de l'ascension, il pensait à sa communauté dans ses prières, dans... partout sa communauté. Hier, quand on parlait que parmi les qualités du croyant, c'est d'être souriant tout le temps avec les hommes. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était la plupart du temps souriant. En même temps, il y a un autre hadith qui dit que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana mutawali al-ahzan. Kana mutawali al-ahzan, ça veut dire il avait beaucoup de tristesse. Cette tristesse, c'est pas la tristesse qu'il exprimait avec son visage, avec les hommes, mais c'est la tristesse qu'il avait dans le cœur à chaque fois qu'il pensait à l'état de sa communauté. Ce qui va advenir à sa communauté, ce que va subir sa communauté, il était triste quand il pensait à nous, par exemple, dans notre siècle. Dans la distraction, éloigné d'Allah, éloigné de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était triste, sallallahu alayhi wa sallam. Il était malheureux quand il pensait à nous dans notre état lamentable qu'on est. Et il y a un autre hadith de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand on parlait de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on dit il, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il demandait pardon à Allah 70 fois par jour. Et c'est pas un chiffre pour montrer que c'est 70, mais c'est pour dire que c'est beaucoup. Quand on dit Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il demandait pardon à Allah 70 fois par jour, c'est pour dire que c'est beaucoup. C'est comme quand je te dis, pourquoi je t'ai appelé hier 36 fois. Ça veut pas dire que c'est 36, ça veut dire ça, beaucoup de fois. Donc Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et les savants, ils disaient comment Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est un prophète qui ne commet pas de péché, quel pardon il demandait?
Quel pardon il demande alors qu'il ne commet pas de péché? Il y a des walis qui interprètent ça, qu'il demandait pardon pour sa communauté. À chaque fois, il dit, Astaghfirullah, je demande pardon à Allah pour ma communauté. Donc, le lien spirituel, même si on ne le voit pas, il existe, je vous rassure. Même si on ne le voit pas, il existe, alhamdulillah. Oh. Awliya Allah, les walis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des hommes très, 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 très fidèles. Très fidèles. Et le souci du cheikh par rapport à ses frères, c'est une chose que vous ne pourrez jamais comprendre ni assimiler. Bien, quoi qu'on fasse avec cheikh, on peut pas récompenser ce qu'il fait pour nous. C'est quelque chose d'inimaginable. Dans la vie de tous les jours, la baraka de cheikh, elle est avec nous. Tous les jours. Et des fois même, cheikh, il peut venir et te dire, voilà, ce qui t'est arrivé aujourd'hui, ce que tu as vécu aujourd'hui, j'étais avec toi là, j'étais avec toi là. Il n'y a pas... Là, tu crois maintenant, par exemple, que Sidna Cheikh Rajab, il est parti, il n'est pas là, il ne voit rien, il ne... Il suffit de mettre l'aiguille, avoir une bonne radio et mettre l'aiguille. Tu mets l'aiguille, tu entends la voix. Radiyallahu anhu arda. Donc, Inch'Allah, il n'y a pas de séparation, Inch'Allah. Inch'Allah. Lakin, kima a'inni ala nafsika bi katrati. Sujoud. Dhikrullah. Dhikrullah. Le lien entre nous, c'est Dhikrullah. Tant qu'il y a des dhikr, il y a le lien. Pas de dhikr. Le dhikr, c'est comme quand tu tends la main. Tu es en train de te noyer, il y a quelqu'un qui veut te sauver. Le minimum que tu as à faire, c'est tendre la main pour qu'on te sauve. Tendre la main, c'est Dhikrullah. Si tu ne tends pas la main, on ne peut rien pour toi.